Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est le je sais plus, le Reading Vlogmas numéro 4. Voilà, on est lundi soir. Je vous prends assez tard parce que bon, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Et puis là, je viens de terminer. Il y avait une petite rencontre virtuelle avec Michel Bussy pour son livre Néo, qui était sorti chez PKJ, dont je vous avais déjà parlé. Il doit être dans un des vlogs ou dans un point de lecture, je sais plus. C'était vachement sympa. C'était vraiment très très sympa. Voilà. Donc je vous ai mis, je crois, un petit insert. Mais bon, la qualité était pas ouf. Alors je sais pas si ça vient de ma connexion ou de la leur, mais ça peut être de la mienne. Hein. C'est pas fort possible. Et voilà. J'ai allégé un peu ma journée. Parce que j'ai encore un peu le cou raide, hein. Donc j'ai allégé ma journée, mais j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc, l'un dans l'autre, c'est top. Et voilà, et là, il est 19h30, il va être temps de préparer le dîner. Et puis ensuite, il va être temps de regarder un épisode de Supernatural. Oui, parce qu'avec Chris, on s'était tout refait depuis le début. Et du coup, là, on est à la saison 12, au milieu de la saison 12. Je crois que c'est la saison d'avant que j'ai pas du tout aimé. Il y a une saison que j'ai pas aimé, je crois que c'était la 11, ouais. Là, la 12 est un peu bof, on verra, on est qu'au milieu. Donc je vais faire un ou deux épisodes ce soir. Et puis voilà, la journée sera terminée, hein. Voilà, je vous ai pas beaucoup pris, mais en même temps, sincèrement, j'avais pas des masses de choses à vous dire. J'ai terminé Dash and Lily. Je vous en reparlerai demain pour un peu plus digérer le truc, mais j'ai très moyennement aimé. Je vais quand même regarder la série, hein, parce que la série a vraiment des super bons retours. Mais le roman, c'était sympa, mais c'était pas dingue, quoi. Franchement, voilà. Je vous en parlerai demain à tête reposée. Voilà. Et cet après-midi, je vous ai montré que j'avais sélectionné un livre. Donc, j'avais deux critères pour cette sélection. Je voulais une comédie de Noël adulte, puisque bon, Dash and Lily, c'est du young adulte. Donc je voulais une comédie de Noël adulte et je voulais impérativement que ce soit un livre que l'une d'entre vous m'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai pioché celui-ci, donc « Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska » de Julia Knoll. J'ai déjà lu la moitié, ça se lit ultra ultra bien. En fait, quand je l'ai commencé, j'ai eu un peu peur parce que c'est écrit tout petit. Surtout par rapport à Dash and Lily, quoi. Et je me suis dit « Oh my gueule !» C'est un mélange de My God et Mon Dieu. C'était bizarre. Bref, j'ai eu un peu peur en me disant « Oh là là, c'est écrit tout petit, je vais pas réussir à lire. » Et en fait, ça se dévore, quoi. Clairement, j'en suis à la moitié. Là, pendant que le repas cuit et tout, bah, je vais sûrement lire un petit peu. Bon, je vais pas avancer des masses, mais je vais lire un peu. Je terminerai ça tranquillement demain et je pourrai en attaquer un nouveau. Voilà, c'est trop cool. J'ai vraiment pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Sinon, j'ai reçu ça. Donc un Marie-Bernadette Dupuis, et c'est Les Feux de Noël, donc de Calman Levy. Donc c'est moi qui l'ai demandé à Calman Levy, parce que, en fait, on a découvert avec Chris que sa grand-mère, donc Mamie Thérèse, qui ne passera pas ici, mais Maman Catherine passera, donc bonjour. Voilà. On a découvert que, du coup, la grand-mère de Chris était complètement fan de... Marie-Bernadette Dupuis. Et en fait, le fait d'en parler comme ça, ça m'a rappelé que je n'ai pas lu cette autrice depuis, mais je sais même pas combien de temps, en fait, une éternité. Et je me suis dit, oh, ça m'intrigue maintenant, j'ai envie de relire un roman. Et comme par hasard, celui-ci sortait. Et voilà. Donc je me suis dit, c'est un one shot, ça va le faire. On est sur secret, machination, et voilà. Et ça se passe à Noël. Donc Les Feux de Noël, c'est aussi parce que c'est l'histoire d'une jeune fille, donc à Colmar, qui travaille dans un magasin et il va y avoir un feu et elle va être sauvée par un beau pompier. Bon, on sait pas s'il est beau, mais en tout cas elle va être sauvée par un pompier. Voilà, donc c'était la petite réception du jour, donc je suis très contente. Je vais essayer de lire ça ce mois-ci, là, assez rapidement, et puis après je l'enverrai à Mamie Thérèse, hein, parce que bon, Mamie Thérèse, elle va être contente avec le nouveau Marie-Bernadette Dupuis. Voilà. Oui, hein, je vous raconte ma vie, je sais, c'est passionnant. Et puis, c'est tout. Ah, d'ailleurs, en parlant de cadeaux, enfin, c'est ça qui me fait penser à ça, je voulais remercier Léa. Donc, merci Léa, j'ai bien reçu ton cadeau. Donc, je ne l'ai pas ouvert, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer et que je n'ai pas fait d'unboxing. C'est parce que bah, je ne l'ai pas ouvert, tu m'as dit que je pouvais le garder pour Noël. Donc Chris a ouvert le carton, il a bien vu que c'était Léa, voilà, comme tu m'avais prévenu. Et il a mis ça dans un sac...
de cadeau, en fait, et il mettra ça sous le sapin. Voilà. Donc, merci Léa pour ta gentille attention, ça me fait très plaisir. Et puis, bah, je penserai à toi quand je l'ouvrirai et à Noël. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment te remercier parce que bah, c'était très gentil comme attention et voilà. Et je le fais dans le vlog parce que, alors c'est pas que je me justifie, mais je le fais dans le vlog parce que je me trompe souvent entre vos noms et vos pseudos, donc je veux pas faire d'erreur. Voilà. Et sinon, je vous disais ce matin dans le vlog, que, enfin dans la, quand j'ai clôturé le vlog, que ouais, les stats YouTube étaient pas bons, enfin qu'en fait c'est même pas ça, parce que moi en vrai je m'en fous, mais que c'était hyper oppressant de dès que tu te connectes comme ça, bam, au réveil, tu vois, votre vidéo ne plaît pas, c'est horrible. Vous avez été du coup plusieurs à réagir et à me dire que si, ce rythme-là vous allait, donc bah écoutez, ma foi, si ça vous va, tant mieux. C'est vrai que je me questionnais parce que je me disais bah, que les stats étaient peut-être faits aussi pour que nous, on puisse réajuster en fonction de notre communauté, donc je me suis dit, mince, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être que ça fait trop de vidéos, pas forcément que sur ma chaîne, mais c'est vrai que, faut être honnête, en décembre, on est bombardé de vidéos, quoi. Donc bon, voilà, je ne sais pas trop. Il y a juste une personne qui est... Il y a juste une personne qui me disait, elle, par contre, que ce qui l'agaçait un peu sur YouTube... Alors, elle ne l'a pas dit méchamment, hein, je ne me suis absolument pas vexée, c'est juste, du coup, je me dis que d'autres se posent peut-être la question, même si j'en avais déjà parlé. Disait que, par contre, ce qui était agaçant avec YouTube, c'est qu'il y avait... trop de coupures pub ou plus de coupures pub, je sais pas comment elle avait formulé ça, je me souviens plus. Donc je lui ai déjà répondu, je t'ai déjà répondu hein, sur YouTube. Mais je me dis que peut-être que d'autres se posent la question. Alors il faut savoir que, alors peut-être que YouTube double les pubs qu'ils en mettent deux coups sur coup. Je vous ai déjà dit, moi là-dessus j'ai aucun pouvoir. Il faut savoir qu'au mois de décembre, c'est un mois assez particulier parce que les pubs rémunèrent vraiment beaucoup. Plus que d'habitude. Donc forcément, YouTube va peut-être avoir tendance à en mettre deux d'affilée pour se faire plus de fric, hein, clairement. Moi, là-dessus, je peux pas agir. Maintenant, sur le nombre de coupures dans la vidéo, c'est moi qui le détermine quand j'y pense, parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier de modifier, parce que sinon, ça se fait automatiquement par YouTube. Et là, vous pouvez en avoir vraiment beaucoup. Hein. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'allais dans le logiciel pour modifier, de voir qu'il m'avait mis une pub toutes les 2 minutes. Hein. Voilà. Moi, en moyenne, je vous ai déjà dit, je mets soit toutes les 10, soit toutes les 15 minutes. Alors, j'ai bien conscience que ça peut être chiant. J'en ai conscience, hein, parce que même moi, quand je regarde une vidéo, bah, des fois, ça m'agace d'être interrompu comme ça. Donc, j'ai bien conscience que ça peut être agaçant. Et voilà. Mais il faut aussi comprendre que ce soit pour moi ou pour les autres, en fait, que c'est aussi une façon de rémunérer le temps passé dessus. Il faut savoir que le temps que je prends pour filmer, et encore filmer, c'est moins ça le problème, mais bon, il y a quand même ci, il y a quand même ça, mais entre le fait de filmer, le fait de faire le montage, le fait d'uploader, derrière, bah, de répondre aux commentaires, de, je sais pas, de faire de la com sur les réseaux, enfin tout ça, et ben c'est du temps que je prends sur mon temps de travail. Donc forcément, si j'ai un peu moins de temps de travailler, j'ai un peu moins de revenus, donc il faut que j'équilibre, en fait, tout simplement, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Voilà, bon, après, ceux qui gagnent leur vie sur YouTube, c'est encore autre chose, mais voilà, le but, c'est pas de vous embêter, en fait, c'est juste de compenser la perte qu'on peut avoir du fait de prendre du temps, en fait, là-dessus. Et je sais que certains vont me dire « Oui, mais comme c'est une passion, c'est sur ton temps personnel !» Ouais, mais je suis indépendante, donc moi, mon temps personnel, en fait, c'est aussi mon temps de travail, il faut le savoir. C'est-à-dire que moi, je peux très bien vous répondre, je peux très bien répondre à vos messages le soir, je peux très bien répondre le dimanche. Enfin, voilà, j'ai pas... Enfin, c'est peut-être compliqué à comprendre pour ceux qui sont pas indépendants, et voilà, mais vraiment, moi, il n'y a pas de vraie coupure, et c'est pour ça que, dernièrement, je suis très fatiguée. C'est parce que je fais pas des horaires classiques, en fait. Je fais pas 8h, 18h, et c'est fini. Moi, c'est tout le temps, en fait. Vraiment. Voilà, sauf quand je dors. Et encore, des fois, quand je dors, j'y pense en me disant « Attends, il faut que je prépare ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Donc voilà, parce que c'est pas, ça arrive assez régulièrement qu'on m'envoie des messages le soir. C'est ça fait partie intégralement de ma vie, en fait. Et du coup, il y a pas de, j'ai pas de vraie limite. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas de vraie limite, c'est assez compliqué. Surtout que voilà, vous répondre sur les réseaux et tout, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc j'ai pas envie, tu vois, le soir, de me dire « Bah voilà, il est 19h, j'éteins tout et je réponds plus à personne. » Et voilà, alors que non, j'ai envie de papoter avec vous, etc. Mais du coup, il n'y a pas de vraie limite entre les deux temps.
donc tant vie privée et vie pro, entre guillemets. Bon, alors après, bien sûr, quand j'ai décidé de faire quelque chose avec Chris, qu'on fait une balade, qu'on fait ceci, cela, oui, bah, là, j'éteins tout et basta. Mais, et encore, des fois, je prends quand même des petites images pour les intégrer plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça que je vous dis que finalement, ça ne nous quitte jamais. Et c'est vrai, je pense, pour beaucoup de gens qui font des vidéos. Et donc voilà, donc la limite temps perso et temps travail, bah quand t'es quand tu fais ce que je fais, il y en a pas des masses. Et voilà, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a que je mets des pubs toutes les 10-15 minutes. C'est pour compenser la perte que je pourrais avoir par rapport au boulot du fait de voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça se comprend. Voilà. C'est juste vraiment pas pour vous embêter et je pense que vous le comprenez. Et voilà, mais j'avais juste envie de faire une petite piqûre de rappel parce que bah, c'est vrai que bah, je me dis, si des gens se reposent la question, c'est peut-être qu'il y a des nouveaux et que bah, voilà, vous savez pas comment je fonctionne, etc. Maintenant, bah, voilà, c'est pas compliqué, hein. Si vraiment vous supportez pas les pubs, vous mettez adblock, hein. Moi je peux, enfin, voilà, je peux rien y faire. Maintenant, effectivement, en faisant ça, vous soutenez pas les chaînes que vous suivez, c'est dommage. Moi, je les ai enlevés, tous ces blogs, tous ces bloqueurs et tout, exprès pour, bah voilà, je me tape les pubs, quoi. Mais je suis comme vous, j'aime pas ça. Mais bon, surtout qu'à chaque fois, tu te tapes la même. Genre, Chromebook, ceci est un Chromebook, ceci est un Chromebook. Je n'en peux plus de cette pub. Je n'en peux plus. Au point que des fois, je la chante et Chris, il est mort de rire, tu vois. Voilà. Donc, je suis comme vous, les gars. Je comprends. Du coup, j'avais dit que j'avais rien à vous dire et ça fait 12 minutes que je parle, c'est une catastrophe. Je vais essayer de lire un ou deux chapitres de ça pendant que ça couille. Et je vous reprendrai demain pour parler de Dash and Lily. Et voilà, et j'attends plein de trucs dans les jours à venir parce que pendant le Black Friday, j'ai craqué sur des fringues. Voilà. D'ailleurs, en faisant ma commande, je me suis rendu compte que j'avais acheté plus de fringues pour Chris que pour moi. Voilà. Et puis j'ai commandé des pop aux États-Unis qui arrivent samedi, je suis trop contente. Et j'en avais commandé aussi sur un site qui s'appelle City Geek parce qu'ils faisaient des soldes et qu'en plus j'avais chopé un code promo qui était cumulable. Donc voilà. Mais je pense que on va faire juste un jeu, hein, comme ça. Dans les commentaires, dites-moi à votre avis de qui sont les pop, enfin quel personnage représente les pop que j'ai commandé. J'attends. Ah, mais j'en avais commandé une autre aussi sur Pop in a Box. Je vais recevoir 5 pop du même personnage. C'est pas la même pop, hein. Du coup, je vous laisse cette fois, je vous reprends demain. Bye bye. Et re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, voilà, j'ai encore le gros pull, alors il y a des étapes dans la journée. Alors déjà j'espère que vous allez bien, sinon il y a des étapes dans la journée. Début de journée, j'ai le pull plus fin, tu vois, et au fur et à mesure de la journée, ça se rafraîchit dehors, ça se rafraîchit dedans, et je sors le gros pull. Voilà, c'est tout. Et quand il est au sale, je suis malheureuse. Faut le savoir, c'est tout. Bref, j'espère du coup que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé de la mobilité. Je vais faire doucement quand même, parce que je sens en fait, le soir par exemple, quand j'ai bossé, bah là j'ai bossé toute la journée, excusez-moi, je joue avec Bibouille, hein, donc voilà. Je sens quand même, tu sais, que c'est encore un peu tendu, mais franchement, c'est du pipi de chat, quoi. Quoique non, parce que le pipi de chat, ça chlingue grave et c'est pas drôle du tout. Bref, on va pas faire une thèse sur le pipi de chat. Ça va beaucoup mieux. J'ai bien avancé dans le boulot hier et aujourd'hui, je suis très contente. Même si j'essaye d'alléger, alors quand je dis que j'allège, c'est que voilà, je termine à 5h30. Alors qu'avant, bah, je m'arrêtais pas, quoi. Enfin, si, pour dormir. Donc voilà, là je m'arrête, donc ça va, voilà, du coup je me sens bien, j'arrive à lire, du coup j'ai même deux romans dont il faut que je vous parle là, donc ça c'est trop cool, et voilà, du coup d'abord,
avant de parler des bookings, voilà, je vais vous montrer la petite réception du jour, qui n'est pas un livre, mais ça fait plusieurs années que je le vois passer, et à chaque fois, j'hésite. Mouais, mais non. Et là, cette année, j'ai dit, mouais, ok. Voilà, donc je me suis acheté l'agenda 2021 de l'art thérapie, en fait, Disney. Voilà. Alors, j'ai un planeur aussi, que j'avais acheté chez Le Prince au Petit Pois, mais qui va me servir pour autre chose, donc je voulais pas l'utiliser comme ça. Là, ça va vraiment être pour m'organiser pour le boulot, parce qu'actuellement, vous voyez, en fait, c'est, vous avez juste une page là, et puis après, vous avez un coloriage, tout simplement. Je disais, ouais, ça va être pour m'organiser pour le boulot, tout simplement, parce que actuellement, alors c'est... Voilà, j'écris sur... des bouts de papier volants, voilà, que je jette, et ça m'énerve, donc je vais le mettre là-dessus. Alors par contre, je vois que, pas falloir que j'écrive très gros quand même, sur les programmes et sur l'organisation que je fais pour la semaine, mais moi ça va me permettre de, voilà, de m'organiser pour la chaîne et la boutique. Voilà, il y a des pages pleines aussi. Alors, il faut savoir, je crois que je vous l'ai déjà dit. Oh, je suis tombée sur Stitch! C'est Stitch! Je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça d'ailleurs que je suis particulièrement fan de tout ce qui est coloriage mystère. C'est que je suis vraiment pas douée pour sélectionner des couleurs. Pour, vraiment, c'est un truc, c'est pas mon truc en fait. C'est pas mon truc, j'ai pas la patience pour. Voilà, c'est pas mon délire. Donc, c'est vrai que celui-là, je me dis, il va falloir que j'ai beaucoup d'imagination. Mais bon, après, voilà, il faut aussi que j'accepte que parfois, c'est moche. C'est pas grave. Donc, bon, voilà, j'avais envie de le tester cette année. On verra, hein, si c'est tout naze, eh ben, je recommencerai pas. Mais, voilà, j'avais envie de tester celui-là cette année, donc je teste, c'est tout. Voilà, Ombra, j'attends désespérément que je lui balance sa balle. Sauf qu'elle me la ramène trop vite. Donc, j'ai deux romans dont je vais vous parler. Alors, je vous ai dit que j'avais terminé Dash and Lily. Et j'ai aussi terminé une comédie de Noël. Alors, on va commencer par Dash and Lily. Parce qu'aujourd'hui, toute la journée, pendant que je bossais, en fond, je me suis mis la série Netflix. Parce que je me suis dit que ce serait... Déjà, j'avais envie de tester. Et puis, en plus, je me suis dit que ce serait cool de vous donner vraiment mon avis en comparant les deux, en fait. Alors, à savoir que la série, je l'ai quasiment finie. Alors, c'est des épisodes qui sont très courts. Donc, ça m'a permis de pouvoir en regarder pas mal. Ça m'a fait toute ma journée de boulot. Et en fait, il me reste un seul épisode. Voilà. Il me reste un seul épisode. Et ensuite, j'ai terminé la saison 1. Je le regarderai peut-être tout à l'heure ou demain, j'en sais rien. Mais bon... Du coup, là, je peux vraiment vous donner vous donner mon avis sur le livre et la série. On va pas y aller par quatre chemins. Je préfère largement, mais largement, la série. Mais alors, rien à voir. Mais vraiment rien à voir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un attachement au personnage via la série qu'il n'y a pas dans le roman. Je trouve que c'est moins fouillis dans la série. Alors c'est très très proche, hein. C'est vraiment très proche du livre. C'est-à-dire que si vous avez vu la série, vous allez rien apprendre de nouveau dans le bouquin. Il y a très très peu de différences. Il y en a sur quelques petits éléments, mais vraiment très peu. C'est vraiment anecdotique. Et voilà, je trouve vraiment que dans la série, on s'attache beaucoup plus aux personnages. À tous, en fait. Par exemple, je pense au grand-père. Moi, dans le roman, je trouve que il est là pour être là, alors que dans la série, même si on le voit pas énormément, etc., je trouve qu'il a plus figure humaine et qu'on, voilà, on comprend ce gros lien familial qu'il y a dans la famille de Lily. Moi, j'ai un peu peur quand même que ceux qui ont adoré la série et qui veulent lire le livre, j'ai un peu peur que vous soyez déçus, en fait. Mais bon, maintenant c'est vraiment très très proche, mais moi je trouve qu'il y a moins de chaleur, moins de sentiments dans le livre. La série, ce qui est génial, c'est que ça se passe à New York, c'est une de mes villes préférées, je rêve d'y retourner d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment une de mes villes préférées, et du coup c'est vrai que quand Noël à New York, moi je revois les rues, je revois tout, et ça me fait encore plus rêver, et je trouve que les personnages sont très touchants dans la série, notamment Lily, et son grand-père que j'aime beaucoup, sa tante que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Boomer aussi dans la série, alors que dans le livre, il m'énervait.
Dans le livre, je le trouvais agaçant, mais vraiment, il me gonflait, en fait, ce personnage. Et dans la série, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour faire bref, ceux qui ne connaissent pas du tout, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au cas où, c'est pas compliqué. En gros, on suit Dash et Lily, qui sont deux adolescents qui vivent à Manhattan, qui ont des situations plutôt pas dégueulasses, on va être honnête. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que un jour, Dash est en train de traîner dans une librairie et il va trouver un carnet Moleskine, vous savez, un carnet de notes, en fait, hein, celui dans lequel tout le monde fait des bujots. Et dans ce carnet, en fait, il y a écrit « Est-ce que t'es cap ?» et on va lui lancer une petite série de défis. De là va commencer un échange entre Dash, du coup, qui va répondre à tout ce qui est dans le Moleskine, et qui va lui aussi laisser un message à l'attention de la personne qui avait laissé le premier message. Les deux personnages, donc, Dash et Lily, vont commencer à correspondre via ce carnet Moleskine, et surtout via des espèces de défis qu'ils se lancent. À côté de ça, on suit un peu l'évolution au sein de leur vie à chacun, puisque chacun a sa propre vie. Alors pendant très longtemps, ils savent pas qui ils sont, en fait, hein, qui est l'autre. Et ça a un petit côté Book Around the Corner, c'est quoi le... Vous avez un message. Ça me fait un peu penser à ça, version adolescent, en fait. Voilà. Sauf que dans Vous avez un message, les deux personnages se connaissent vraiment dans la vie et se détestent. Et ils ne savent pas que, voilà, qui est l'autre, quoi. D'ailleurs, j'ai très envie de regarder ce film. Bref. Donc voilà, ça a un petit côté Tom Hanks et Meg Ryan, voilà. En version ado, sauf que là, voilà, ils se connaissent pas dans la vraie vie, et on voit évoluer leur vie à côté. On voit Lily qui est toute seule avec son frère parce que ses parents sont partis aux îles Fidji pour les fêtes de Noël, donc elle fait un peu la tronche parce que Noël, pour elle, c'est très important. J'aime beaucoup ce personnage, elle est exubérante, elle est... Enfin, quand je... Non, c'est pas exubérante, c'est pas le bon terme. Elle assume plein de choses, elle est tellement différente de tout le monde, elle a un côté un peu faux-folle, mais en même temps, elle s'en fiche, mais on sent qu'elle s'en fiche pas tant que ça. Elle est extrêmement touchante, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et elle vit avec son grand-père, ses parents et son père, et son frère, pardon, ses parents, son grand-père et son frère. Et voilà, donc elle s'apprête à passer un Noël moyen, et elle va apprendre surtout quelque chose qui risque de bouleverser sa vie, qui va pas forcément lui plaire. Dash, lui, il est enfant unique, il vit entre son père et sa mère, puisque ses parents ont divorcé il y a quelques années, et là, pour Noël, il va faire croire à son père qu'il passe Noël chez sa mère, et à sa mère qu'il passe Noël chez son père, de façon à esquiver tout le monde. Et pareil, lui, il aime pas trop Noël, il y croit pas. Ça fait un an qu'il a rompu avec sa petite amie qu'il aimait profondément, donc il est extrêmement triste. Il est passionné de littérature. Elle aussi, c'est un peu ça qui est génial, en fait, il y a des scènes dans la série. Genre chez la tante Liliane, elle a une baraque en plein de Manhattan, t'es en mode « My God !» avec une pièce, une bibliothèque. Je vous jure, j'ai remis la scène 15 fois, j'ai mis sur pause et j'étais là « Wow !» Je rêve d'avoir une bibliothèque comme ça, et c'est beau, c'est chaleureux, il y a même un espèce d'escalier et tout en métal pour monter, parce qu'il y a une hauteur sous plafond de ouf, pour monter et accéder à un autre étage de livres qui fait juste le tour comme ça. Oh mon Dieu, mais c'est tellement beau. Pareil, il y a une scène dans un autre moment dans la série où ils vont visiter un musée, et dans ce musée, pareil, il y a une grande bibliothèque et tout, et moi, toutes ces scènes, je bave littéralement, tu vois. Je pense qu'il y a tous ces côtés-là, au niveau de la photographie, qui est magnifique dans le film, et je pense que c'est ça qui, dans la série, c'est ce qui rajoute un truc vraiment cool. Bref, donc voilà, une petite romance épistolaire, entre guillemets. Voilà, sincèrement, le livre, moi, quand j'avais lu que le livre, j'étais pas du tout emballée. Je trouvais ça sympa, mais sans plus, clairement, j'allais l'oublier dans quelques jours. Hein. Et puis bah, là, je me suis quasiment binge-watché la série, puisqu'il me reste plus qu'un épisode. Et oui, c'est ado, mais c'est mignon, on est vraiment dans Noël, et puis j'aime beaucoup, moi j'ai beaucoup de tendresse pour Lily et sa famille, en fait, je les aime vraiment beaucoup. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment super mignons, super drôles, et j'ai beaucoup aimé la série. Le livre, si vraiment vous avez envie de tenter, hein, mais pour moi, il n'y a rien de fou dans ce livre, quoi. Franchement, je vous dis, en ayant lu que le livre, j'étais pas enjaillée, j'étais pas emballée. Maintenant que j'ai vu la série, je suis en mode « Ah ouais, je comprends mieux l'engouement de tout le monde et tout. » Donc voilà. Maintenant, la série se suffit à elle-même, sincèrement. Il n'y aura pas de complément dans le livre.
Maintenant, si vous, la série vous manque et vous avez envie de retrouver l'ambiance, pourquoi pas. Même si je vous dis, moi, j'ai pas retrouvé dans le roman la chaleur qu'on trouve dans la série. Et ensuite, hier, en fin de journée, donc j'attendais le live avec Michel Bussy, et du coup, j'ai commencé un nouveau roman, donc j'ai commencé ça. Je vous avais montré, je crois que je vous en ai parlé vite fait, donc Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, de Julia Knoll, aux éditions HarperCollins. Et finalement, après le live, en 1h15 à peu près, j'ai terminé le roman. Il est court, il fait 240 pages, ça se lit extrêmement vite, ça ressemble à plein de romans que j'ai déjà lus, mais malgré tout, c'était hyper sympa. Vraiment, c'était hyper sympa. On suit une jeune fille, enfin une jeune femme, parce que c'est pas une jeune fille, on suit une jeune femme, Courtney, qui a eu la mauvaise idée de coucher avec son boss, et elle a poussé la mauvaise idée jusqu'à penser qu'elle avait une réelle relation amoureuse avec cet homme. Sauf que lui, c'était pas vraiment le cas. Lui, c'était juste pour tirer un coup, quoi. Donc, de façon régulière, mais voilà, pour lui, c'était pas une relation amoureuse. Elle s'est un peu enjaillée, elle en a parlé à sa famille. Comme elle était un peu agacée que... Enfin, elle en a ras-le-bol, en fait, d'être un peu la célibataire de la famille et qu'on soit tout le temps en train de lui dire « Alors, quand est-ce que tu nous ramènes un homme? T'es encore toute seule cette année à Noël ?» Enfin, voilà, elle en avait tellement marre que finalement, elle a parlé de cet homme à ses parents. Et surtout, elle leur a dit qu'il allait venir à Noël. Voilà. Sauf que ça va un peu partir en cacahuète, toute cette histoire, et elle va vouloir fuir parce qu'au boulot, ça se passe pas très bien, forcément, avec ce quiproquo, c'est pas top. Elle veut aussi fuir sa famille parce qu'elle a pas du tout envie de fêter des fêtes de fin d'année, en étant encore une fois reléguée à la table des célibataires, donc à savoir la table des enfants et de son grand-père, mais lui, c'est parce qu'il est veuf. Voilà, elle a pas du tout envie de tout ça, et elle va sauter sur une opportunité un peu bancale, à savoir que la boîte pour laquelle elle travaille a une succursale en Alaska, dans un petit bled qui s'appelle Eli, et en fait, elle va dire qu'elle est ok pour faire un remplacement là-bas pendant 5 ou 6 semaines, là, pendant la période des fêtes. Tout le monde est un peu étonné, parce que d'habitude, personne ne veut faire de remplacement dans ce coin-là. Et quand Courtney va se proposer, ils vont tous sauter sur l'occasion. Donc elle part au fin fond de l'Alaska, dans un petit bled. Sauf que c'est l'hiver, il y a quasiment pas de lumière naturelle du jour de toute la journée. Qu'il n'y a pas de commerce, qu'il n'y a rien. Dans son bureau, elle est censée habiter l'appartement du dessus. Sauf que la chaudière est en panne, enfin il lui arrive que des merdasses, et elle va rencontrer un homme, Brad, qui est un peu les petites mains de tout le monde, c'est-à-dire que c'est le gars qui va aider tout le monde, mais avec elle il est assez bourru, et en même temps elle est pas hyper aimable avec lui non plus, soyons clairs, et voilà, elle va devoir s'installer dans cette petite ville, qui est... Voilà, il faut le savoir, la ville où a grandi son patron, hein, parce que c'est un peu, voilà, donc tout le monde connaît la famille Richardson, donc la famille de son patron, et du coup, quand elle découvre un peu tout ça, elle n'est pas forcément à l'aise, elle va faire la connaissance des femmes du coin, qui sont pas forcément des femmes comme elle, je vous laisse découvrir pourquoi, et puis voilà, elle va découvrir la vie sur place, elle va apprendre à connaître Brad, et va y avoir quelques petits quiproquos, il y a quelques scènes un petit peu amusantes liées au fait que c'est une New-Yorkaise. Non, d'ailleurs c'est pas une New-Yorkaise, c'est une fille de la ville, elle vient de Portland, qui vient s'installer, enfin en tout cas ponctuellement en Alaska, et qui essaye d'esquiver Noël, voilà. Donc c'est vraiment très sympa, on a un petit peu quand même l'esprit de Noël, voilà, avec un découpage de sapin, avec plein de choses comme ça, on est quand même dans l'esprit de Noël, c'est assez cool. Maintenant, voilà, le seul truc, c'est que moi, des romans comme ça, très sincèrement, avec ce schéma, j'en ai déjà lu des centaines, en fait. Des centaines, j'exagère. Des vingtaines. Mais ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment chouette, la preuve. Je l'ai bouffé dans la soirée. C'était cool. C'est sans prise de tête. Voilà, t'as plein d'ingrédients qui sont super chouettes dans une comédie de Noël, à savoir... le fait d'avoir envie de, entre guillemets, d'esquiver ta famille parce que t'es pas prêt à assumer un mensonge. Tu as le côté, elle arrive dans un coin où il y a de la neige, dans une toute petite ville où tout le monde s'entraide, se connaît et s'aime. Et il va y avoir plein de petites choses pour la magie de Noël et c'était cool. Voilà, c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment chouette. Maintenant, voilà, si vous voulez un roman avec les grandes tablées de Noël, etc., bon, c'est peut-être pas
celui-là, mais... Et encore, je trouve qu'on est quand même vachement plus dans Noël que certaines comédies qui sont vendues comme comédies de Noël. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très chouette, et je suis très contente de l'avoir lu. Donc merci beaucoup Amal de me l'avoir offert, puisque c'est grâce à toi que je l'ai lu, donc je suis très contente, et c'était très bien, voilà. Voilà. Vous voyez, hein, je me suis remise à lire. Franchement, je pense que ça contribue à mon bien-être. Novembre a été un mois compliqué pour moi. Alors j'adore bosser, hein, c'est pas le problème. C'est juste que je pense que j'ai tellement tiré sur la corde que bah voilà, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Bah, j'ai commencé à me faire très mal. Et c'est pas que le moral suivait pas, mais j'arrivais plus à lire. Je me retrouvais plus dans mes lectures. J'étais pas bien et je me sentais. Je sais pas comment dire, il y avait aussi ce truc de me dire c'est pas cool, t'es pas à jour dans tes services presse. Alors, il y a certaines maisons d'édition qui, alors c'est pas qu'elles exigent, mais en gros, elles te, de temps en temps, si t'as pas donné ta chronique, on va un peu te relancer en mode j'attends ta chronique et tout, t'en es où? Voilà, et en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps et je me suis dit de quel livre elle me parle? Et en fait, j'avais zappé, je l'ai zappé le bouquin. Le problème, c'est que je l'ai zappé, et là, aujourd'hui, j'ai plus envie de le lire. Enfin, j'ai pas envie de le lire maintenant, tu vois. Donc, je le fais un peu traîner. Et voilà, on verra. Hein. Mais c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Quand tu lis pas du tout, parce que t'arrives pas à avancer, etc., c'est compliqué. Et je pense que j'ai essayé aussi de me forcer à avancer les SP. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas. C'est un truc. Bon, je m'en rends compte. Je le sais en plus. Hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais vous voyez, ça confirme. Ça ne marche pas. Donc voilà. Donc là, tu voyais. Je pense que ce qui m'a relancé, même si ça a été long, ça a été de lire le Brandon Sanderson parce qu'il était extraordinaire. Alors non, c'est pas vrai. Je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment redonné goût à tout ça, c'est d'avoir lu La Ligne Verte, qui est un très beau coup de cœur dont je vous parlerai la semaine prochaine dans une vidéo dédiée. Mais ouais, c'est vraiment un très beau coup de cœur. Et ça m'a, voilà, quand j'ai fini La Ligne Verte, je me suis dit, en fait, c'est ça. Il faut que j'aille vers ce qui me fait envie. Et puis tant pis. Et voilà. Même si je me suis engagée à faire certaines choses, bah, je les ferai. Mais bah, des fois, je peux pas les faire tout le temps à l'instant T. Donc il faut juste que j'accepte ça. Tout simplement. Voilà. Et là, le fait de m'être quand même reposée 3 jours d'affilée, donc vendredi, samedi, dimanche, même si... alors vendredi, j'ai pas bossé du tout, de toute façon, je pouvais pas. Samedi, dimanche, j'ai quand même bossé 1 heure à chaque fois pour emballer des commandes et pas prendre trop de retard. Sincèrement, c'est ce que j'ai dit à Chris hier matin, je lui dis, punaise, ça fait bizarre de se sentir, de se réveiller le matin et de pas être épuisée, en fait. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'est tout. Je voulais partager ça avec vous parce que ouais, ça fait c'est important en fait et je l'oublie parfois que bah bosser c'est bien mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, c'est tout, c'était le mot du jour. Et au niveau boulot, je suis quasiment à jour dans les commandes. Tout est fini, enfin tout ce que j'avais à faire est fait et emballé. Il me reste les tote bags personnalisés à faire demain. Donc demain, je sors la presse chaude et compagnie et je fais tout ce qui est thermocollage, etc. Une fois qu'ils sont thermocollés, j'emballe. Et le soir, parce que demain soir, Chris m'a dit qu'il finissait plus tôt demain. Du coup, demain, mercredi, on va acheter le sapin. Donc sur le chemin pour aller acheter le sapin, je posterai tout. Donc ça partira que jeudi matin. Mais comme ça, tout part en même temps. Et à côté, je prépare ce que je vais mettre en vente cette semaine. Et d'après mes calculs, cette semaine, il y aura un vlog dimanche. Si je tiens bien les 2 jours, c'est ça. Il y aura un vlog dimanche. Du coup, bah, je me suis dit, comme il y a un vlog dimanche, eh ben, je mettrai tout en vente pour dimanche. Et voilà, et je sais pas si ce sera pas les dernières mises en vente, je regarderai, je vous redirai ça, mais on va commencer à s'approcher des vacances là, des vraies vacances. Bon, je parle beaucoup trop aujourd'hui, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu, j'ai pas pris énormément d'images à insérer, je suis désolée, depuis hier, je suis déconcentrée. Enfin, je suis pas... Je sais pas. Mon cerveau est parti ailleurs. J'en ai fait quelques-unes, mais je crois que j'ai pas fait beaucoup de plans. Voilà. Et je suis en train de lire un roman. Je vais y retourner, là, d'ailleurs. Et du coup, comme ça, j'aurai un nouveau livre dont je vais vous parler demain, je pense. Pas du tout le même genre, mais il est rose. J'ai pas fait gaffe, mais celui-là était rose, celui que je venais de finir. Et j'en ai un autre que j'ai commencé. Je peux vous le montrer, hein. Je peux vous teaser. Hein. Enfin, vous teaser rien du tout, mais voilà. J'ai commencé ça. Et c'est rose. Voilà, et on dirait une prisonnière, la fille, ça fait très très peur.
Mais j'aime beaucoup l'autrice, c'est pour ça que j'y suis allée. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Je voulais vous remercier d'avoir répondu, hein, aux comment, enfin, d'avoir laissé des commentaires sur le dernier vlog. J'arrive plus à parler. Articule quand tu pètes. Et ça y est, j'ai de nouveau pété un câble. Donc, merci. Enfin, voilà, c'est tout, en fait. On va se contenter de ça. Merci. Et on se retrouve de toute façon dans 2 jours. Donc, on se retrouve vendredi. C'est ça. En général, je les mets le midi. Comme ça, ceux qui ont l'occasion peuvent le regarder pendant la coupure du repas. Et voilà. Celui-là est un peu plus long, je pense, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais bon, je sais que vous aimez bien, donc c'est pas très grave. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Dans le vlog de vendredi, il y aura un concours. Donc je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vous mettrai ça vendredi. Donc vendredi, il y aura un concours. Soyez prêts. J'ai 2 concours. 2 ou 3, je sais plus. En tout cas, j'ai un lot de malades mentales à vous faire gagner. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Mais non, j'ai 3 lots. J'ai 2 livres et 1 lot que moi, j'avais préparé. Donc, j'ai 3 trucs. Oh, ça va être trop bien. Donc là, à partir de vendredi, je vais vous mettre un peu plus de concours parce qu'on s'approche de Noël, que moi, j'ai moins de boulot. Donc, j'ai plus de temps pour gérer. Voilà. Bon, allez. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve vendredi dans un nouveau vlog. Bye.